arrêtons de naviguer au pif. Quel que soit notre genre, notre espèce, on est en train de cuire tout vif et ça chauffe un max pour nos fesses. Arrêtons de naviguer au pif, car la réponse est juste là. C'est le courant alternatif, ça s'appelle Alternativa. Alternativa, arrangez, écrivez, non, n'hésitez pas. Oui, votre message passera. Ben non, mais partez pas, c'est pas une annonce là, les gars. Festif, voilà. Paix intérieure, paix extérieure. Collaboration entre les humains au lieu de se combattre. Exactement. L'arrêt des compétitions. Tout à fait. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est la fête de la paix? Alors en fait la fête de la paix c'est un festival, donc il y a eu deux festivals. Un premier festival en 2013, un deuxième festival en 2014 qui sont passés en fait à Vertou, au lieu dit la Grand Noé. C'est un festival de co-création où il y avait environ cette année 130 intervenants qui sont venus parler en fait avec le public, en échange avec le public, dans la relation, sur le bien-être, sur le travail de développement personnel, sur comment développer la paix autour de soi et en soi. Et donc il y avait des ateliers d'art-thérapie, des ateliers de chant, des ateliers de musique, des ateliers de co-création dans la peinture, dans la beauté. Donc pour relier avec Alternativa, Alternativa, un autre monde est possible, c'est le nôtre, il est là, et en plus humainement on est prêt, on fait la paix. Exactement, voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir François. Bonne journée François. Donc un autre monde existe. Et même pour construire sa maison, on peut la construire avec les matériaux locaux, nous-mêmes en autoconstruction, en cédant sur la base d'associations, comme ça on mutualise les savoirs et la main-d'œuvre. Voilà. Voilà, c'est un peu l'idée. Oui, c'est l'idée. Et découvrir en fait chez d'autres adhérents, chez d'autres personnes, ce qu'ils ont fait pour avoir une idée mise en œuvre. Et pour se renseigner, donc, pour rappeler le nom de l'association, c'est Habitat et Énergie Naturelle, HEM. Et on a un site internet. HEM44.org, on peut aller se connecter et voir différentes propositions que l'association propose sur la loi Bon, je pense que ça va bricoler, mais nous on accompagne les gens et en fait, même des gens qui bricolent jamais peuvent réussir à fabriquer leur éolienne. Il faut de la motivation, il faut du temps, un peu d'argent. Il y a toujours des solutions. Donc, si j'ai envie de le faire, comment je fais pour vous contacter? Alors, on a un site internet, tripalium.org. Et voilà, on a des informations sur nos stages, sur notre approche. Et on a les dates à venir de nos prochains stages. Donc, c'est vrai, vous pouvez nous contacter par mail également. Et si je veux, avant de contacter, me dire « Ouais, je peux faire quelque chose », je vais avoir besoin d'un budget de combien, quand même, même si je bricole. Alors ça dépend, tout dépend du besoin. Ça dépend si on a une toute petite yourte et qu'on veut alimenter 3 ampoules LED, ou si on a une grande maison et un confort, etc. Donc ça va dépendre de ça.
Ça peut aller pour une petite éolienne comme celle qu'on voit ici, qui va servir vraiment pour des tout petits besoins. Ça va aller tout compris, hein, avec toute l'installation pour fournir l'électricité, ça va aller de 1000 euros. Jusqu'à une grosse installation, on va être au-delà de 10 000 euros. D'accord. Donc si je veux, mettons un frigo, 3 ampoules et un ordinateur. Eh bien là, on peut direct avec un budget de 2000-2500 euros, on peut, peut arriver à l'autonomie. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il faut aussi, au niveau de ses consommations, utiliser des appareils qui consomment peu. Donc avoir un petit frigo très économe en énergie. Pareil, privilégier des éclairages qui sont efficaces en énergie. Et en fait, on peut réussir. L'origine du terme démocratie, c'est un mot grec. Demos, kratos, demos c'est le peuple et kratos c'est le pouvoir. Donc littéralement démocratie ça veut dire pouvoir du peuple. Comment ça peut s'exercer, c'est toute la question. Alors chacun d'entre nous ici, nous détenons une parcelle de la souveraineté nationale en tant que citoyen, puisque nous sommes tous concernés par notre constitution de la 5e République approuvé par tous les citoyens en 1958. Et donc, l'article fondamental, s'il faut en retenir un dans notre Constitution, c'est l'article 3 de la Constitution qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Bon, jusqu'ici, on est d'accord. Qu'il exerce par ses représentants. Là, on va en discuter. Et par la voie du référendum. Référendum, j'en dirai deux mots tout à l'heure. Au niveau de la conception du référendum dans la 5e République. Donc démocratie représentative. Démocratie représentative, ça veut dire que tous les 5 ans, nous élisons des représentants qui sont censés nous représenter et agir à notre place. Première critique que l'on peut faire à ce système, c'est que les représentants agissant à notre place, ils ont tendance, finalement, à nous infantiliser en tant que citoyens, puisque, entre deux élections, les citoyens n'ont plus aucun pouvoir. Dans notre Constitution, on a deux chambres. Et ça, c'est vachement bien, parce que ça veut dire qu'on a un Parlement et un Sénat qui peuvent, parfois, ne pas être d'accord. On a vu, sous la mandature précédente, que, finalement, le Sénat était moins godillot que l'Assemblée nationale, et puis revenait sur certains trucs. Donc ça sert quand même d'avoir deux points de vue. Cette deuxième chambre, ce Sénat, on est sur, finalement, l'oligarchie de l'oligarchie. Puisqu'on est sur des gens qui représentent les collectivités territoriales, mais qui sont élus juste par ceux qui représentent déjà les collectivités territoriales, donc grosso modo, ces représentants, ils élisent la personne à qui ils doivent le plus, leur grand chef. Voilà, ils élisent la personne à qui ils pourront demander le plus, c'est vraiment l'oligarchie. Et donc nos sénateurs, c'est l'oligarchie de l'oligarchie. Ben là, ce serait pas mal pour mettre du hasard. C'est-à-dire que, imaginons tout simplement, pour pas brusquer les choses, on se dit pas on prend tout le monde, on prend juste parmi ces gens-là, parmi tous ces grands électeurs, parmi tous les représentants, tous les élus des collectivités territoriales. Et là, on désigne au hasard, tous les ans, une partie du Sénat, parmi tous les représentants des collectivités territoriales. Donc c'est des gens qui vont effectivement finalement être comme nous, puisque là, sur les collectivités territoriales, c'est avant tout des petites communes, donc pas des grands élus, pas des gens vraiment différents, mais déjà, ça changerait les esprits. On aurait des gens qui sont un peu intéressés par le collectif, voilà, qui seraient désignés là. On peut avoir quand même, dans ce cas-là, un Sénat très stable, parce qu'on va changer juste... Mettons que ce soit tous les 5 ans, mais on change un cinquième tous les ans. Donc on a quand même une continuité. Et finalement, on a un endroit où on brise un peu le tabou de savoir si c'est un spécialiste, il a besoin d'être un oligarque et compagnie, d'être un expert en tout, comme si on pouvait être expert en tout, pour effectivement être représentant du peuple. Non, il a juste besoin d'être désigné pendant un moment, et c'est tout. Mais ça suffirait pas. Ça suffirait pas, j'ai dit, je bosse pour l'État et je vois bien, on prépare des lois pendant des années et des années, on prépare sous une mandature et puis finalement elle paraît sous l'opposition de l'époque qui devient la majorité, puis c'est pareil, on change 3,2 mots pour changer un peu l'orientation, mais en fait, toutes les lois sont, enfin, beaucoup des lois sont préparées bien avant et pas spécialement par le politique qui donne des indications, on travaille dessus et puis ça finit par arriver au bout de quelques années pour beaucoup. Mais
là, les parlementaires ne sont pas forcément au courant de ce qu'on prépare dans les ministères, puisque ça prend des années, et c'est le gouvernement qui va effectivement donner des ordres au ministère pour préparer des lois dans tel sens ou dans tel autre. Le gouvernement. On a un chef du gouvernement, le Premier ministre, qui va être choisi parmi la majorité des personnes élues à l'Assemblée nationale. Mais on a une deuxième tête. On a une deuxième tête qui s'appelle le président, donc notre chef de l'État, qui est là. Et lui, il va jouer s'il est avec effectivement le Premier ministre dans le même camp, et donc ils vont se faire leurs petites affaires, et puis ça ne va arriver à l'Assemblée nationale qu'en fin de course, il n'y aura pas eu vraiment de débat sur la place publique. Voilà, et puis généralement vous mettez au garde à vous s'il vous plaît, sinon vous ne serez pas réélu. Donc tout ça passe comme ça, et les parlementaires n'ont pas vraiment de possibilité de connaître réellement avant ce qui se prépare, voilà, et de connaître le fin du fin. Donc ce que je me dis, c'est que ce président de la République, puisqu'il y a déjà un chef du gouvernement, le Premier ministre, eh bien, il pourrait changer plus souvent et il pourrait être aussi au hasard. Pour ne pas brusquer les choses, on pourrait le prendre au hasard, simplement parmi les parlementaires, à la fois les députés et le Sénat. Et là, ça voudrait dire que s'il change, mettons tous les mois, ce président, voilà, il est le chef de l'État, et il est pris parmi tous les parlementaires. Donc le gouvernement, l'État, doit absolument en permanence mettre au courant les représentants du peuple de ce qui se passe, parce qu'ils ne savent pas quel va être le prochain. Et on ne peut pas faire du truc entre nous, ça peut être un président d'opposition, comme un président de la majorité pareil, mais ça devrait pouvoir marcher, ça obligerait juste à débattre ensemble, que nos politiques déjà débattent ensemble eux-mêmes. Parce que la démocratie, c'est avant tout ça, c'est avant tout le débat. Et si on est là, ici, en train de discuter, c'est parce que je crois que la seule manière de s'en sortir pour la démocratie, c'est que nous débattions, bah, là, bien sûr, maintenant, mais aussi dans la rue tout le temps, comme on a pu le faire pendant le festival.
je fais là la démonstration de la possibilité de faire des maisons passives, donc des maisons consommant très très peu d'énergie et ayant comme principal chauffage le soleil, avec un petit chauffage d'appoint qui fait du bois. Ça veut dire qu'on peut carrément faire une maison en fait qui n'a pas besoin de chauffage du tout, complètement autonome, mais ça doit coûter vachement cher ça. Non, ça peut se faire sur des prix qui sont parfaitement concurrentiels avec les prix. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il y a pas mal de préjugés et puis les forces des réalités. Il y a des gens qui se disent, oh là là, une maison sans chauffage, comment est-ce possible? Il y a vraiment à convaincre. Donc, pour les rassurer, tu rajoutes un petit poêle, comme ça ils disent que ça alors, va. Alors, non, le petit poêle, il va falloir quand même s'en servir quelques jours dans l'année, d'accord, quelques soirs, quand il fait. Mais tu vois, c'est le temps gris, 1, 2 degrés, et puis le temps bouché, à ce moment-là, il n'y a pas assez de soleil pour chauffer la maison, même si on a accumulé un peu sur les jours auparavant, donc la main est très froide. Donc, tu as à peu près 15, suivant les hivers, 15, 20 jours d'hiver où il va falloir consommer un petit peu de bois. Mais dans des proportions, c'est entre... Mais en fait, ça sert à quoi ? Eh ben, ça sert un petit peu à montrer des initiatives locales qui marchent. Et c'est quoi l'enjeu, là, immédiat, l'année prochaine ? Alors, c'est vrai que tout ce qu'on fait, en fait, nos comportements, ont une influence sur ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Hein, donc, il faut prendre conscience que la planète, elle a des limites finies et qu'on ne peut pas avoir une croissance infinie. C'est pas possible. Là, on vit aujourd'hui comme si on était sur deux planètes et demie. Les Américains sortent comme quatre planètes, voilà. Donc, à un moment donné, il faut revenir aux fondamentaux et dire, ben, est-ce que j'ai besoin de prendre ma voiture tous les jours? Est-ce que j'ai besoin de tant d'appareils électriques chez moi, électroménagers, etc. Qu'est-ce que je consomme? Est-ce que je vais en agroalimentaire? Je vais au marché? Et puis, salut! Et puis derrière... Ouais, moi, citoyen, quoi que je fais, qu'est-ce que je fais de à mon niveau, et je fais ma part, voilà. Et donc, par rapport à ça, c'est de montrer les petits gestes qui peuvent faire la différence, qui cumulaient. Chacun fait des petits gestes de hein, je fais ma part. Plus que le petit geste, montrer qu'il y a une vraie dynamique. Effectivement, voilà. Là, on a une centaine d'associations, et on aura 300 arènes. 1000. Voilà. 1000. Et d'alternativa en alternativa, ce sera une vraie boule de neige. Ouais. Et au bout d'un an, après 1000 alternativa, il n'y aura plus de... comportements autres que des comportements vertueux et heureux pour notre bonheur à tous. Et le vélo et alors tous. Il vient quand vous voir le vélo, le Tour Alternativa, il vient vous voir quand? Nous c'est le 23 août à Rennes. Il est là. Ouais mais tu sais qu'il y a un parcours vélo. Non je ne savais pas. 5000 km, tandem 4 places, ils vont faire des étapes. Et là il faut les accueillir, donc hébergement militant, des vélorussions. Il y a plusieurs actions qui se passent, c'est bien. Oh, ouais. Donc rendez-vous si c'est 7 juin à Rennes. Je serais content de te voir. Peut-être c'est moi qui vais te filmer cette fois. Peut-être. T'es dans le moins de 10 personnes. Ciao, ciao. Un peu compliqué. Avec les dents. Une bière, c'est possible. Faut tenir la pancarte. Yo, tu prêtes ta bière. Hein. Combien de joueurs avons-nous? Pouvez-vous lever la main, s'il vous plaît, les joueurs? Un marqueur. Il nous manque 4 joueurs. Nous avons besoin de 4 joueurs de plus pour jouer à un jeu qui nous permet d'apprendre comment se coordonner sans hiérarchie, sans patron. Juste nous, les citoyens, qui se co-gérons et qui formons nos propres coordinations. À partir des thèmes... L'énergie et transport, ça va clairement ensemble. Maintenant, il arrive la phase la plus délicate. À partir des envies de chacun, l'idée est de trouver quelles sont les coordinations qui vont ensemble. Là, par exemple, je vois deux liens. Ça veut dire que le lien est fort entre les deux. Parce que chacun a demandé à travailler avec l'autre. Donc, étant donné que tu n'as pas de lien avec les autres, peux-tu te positionner près de lui. C'est plus facile après pour... Donc, voyez un peu la twister. Voilà, c'est ça. Attends, on va baisser notre lien. Et comme ça, vous pouvez rapprocher votre lien. Vous pouvez vous rapprocher sur la commande. Est-ce qu'il y a d'autres liens doubles? Juste à côté, attends bien. Donc pour l'instant, vous... Et bien du coup, éducation. C'était il y
c'est un site. Alors vous avez le droit de voter pour les mêmes. Pas d'accord. Vous avez le droit de renforcer les liens. Par exemple, si tu relis le lien avec l'autre groupe là-bas, hein, tu devais fermer une coordination, c'est quasiment sûr. Du coup, moi je vais avec l'économie. Et ben voilà, vous allez fermer une coordination. Une coordination. Donc déjà, vous pouvez retirer tous les liens qui vous relient tous les quatre. Et tous les deux, vous vous rapprochez et vous enlevez tous les liens qui vous relient. Ok. Vous posez par terre pour l'instant, on rangera après. Posez les par terre si vous voulez, hein, pour être plus à l'aise. Posez les fils par terre, donc les quatre, et puis transport et échange. Et vous avez déterminé à vous tout seul, avec l'expression des envies de chacun, les trois coordinations qui forment les trois pôles du futur projet. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas eu de hiérarchie. C'est vous qui avez déterminé quelles seraient les coordinations. Exactement. Ou sociocratique, ou lacratique. Allez, mettez-moi des petits mots sur vos expériences à Alternativa. Sur votre oui. état d'esprit. Un mot doux, un gros mot, un petit mot. C'est quoi un mot d'amour. C'est quoi en fait votre stand là, en fait, Je suis pas un stand moi, je suis une crieuse. Une crieuse, ah oui. Crieuse de rue. Ah, tu veux crier quelque chose okay. Entendre crier quelque chose. En fait tu écris et moi je crie. Ah ok. Je suis désolée. Hein. Je peux vous mettre un poème? Ah ouais, voilà. Ouais carrément. J'ai écouté. Magnifique, magnifique, magnifique pour Marie. Il doit bien nous la winner, il doit bien nous faire ta outilité. Ça va pas la winner, ça va pas faire ta outilité. Ça va pas la winner, ça va pas faire ta outilité. Salaka la wini, salaka ufama ta utite. Elle s'appelle comment celle-là? C'est le réseau du réel. Alors voilà. Explique-moi, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est le réseau du réel, c'est la structure d'association qui porte la monnaie locale complémentaire, le réel. Voilà. Et c'est quoi le réel? Qu'est-ce qu'une monnaie complémentaire de quoi? Eh bien, c'est une monnaie qui nous permet d'échanger entre adhérents professionnels et particuliers. Eh bien, des biens, des services, avec un titre qui n'est donc non délocalisable, qui nous permet de travailler de manière locale, et puis aussi avec un volet non spéculatif. Voilà, mais on en discutera, j'imagine. On est sur un mode de financement, mais bon, il faut qu'il soit suffisant pour vivre dignement. Donc voilà, après, qu'est-ce que la suffisance? On donne 1000 euros parce que 1000 euros, c'est, ça parle à tout le monde, c'est rond, et voilà, on peut se représenter qu'est-ce que nous, c'est nous frais d'avoir 1000 euros par mois, c'est un professionnel. Alors comment peut-on se renseigner sur le revenu de base sur internet? Voilà, il y a un site national qui s'appelle revenubase.info qui est hyper bien fourni. Voilà. revenubase.info. Voilà. Et voilà, il y a des articles qui sont faits au quotidien. Et après, là, il y a un documentaire français qui va sortir en décembre, qui est très très bien fait. Il y a une conférence gesticulée aussi qui va sortir. Voilà, nous, à Nantes, on organise des ciné-débats, des apéros. Voilà, on en parle. Oui,
pour lever les malédictions. Voilà. Sous le cheval Clavellino. Vamos. Un feu d'artifice. À la luna, amigo psi. À la luna. Vamos. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Il passe les cosmétiques, il écrive les chants d'amour. Moi, mon obsession, c'est de, voilà, de voir tous ces gens qui prennent un peu de moi, là, voilà, qui me mangent un peu finalement. Et donc, non, c'était chouette. C'était chouette parce qu'on a réussi à faire quand même un budget en plus bio, évidemment. Pas mal de produits, principalement issus du glanage. Et faire des choses un petit peu originales quand même. Il y en a trois. Je suis bénévole. Il y a Ping, il y a Trifouille et il y a Robin Desbrouilles. Quand vous arrivez au fond où c'est bien décomposé, vous le mettez dans votre brouette, vous le mettez de côté, vous remettez votre composteur, et tout ce que vous avez mis sur le carton, vous le remélangez bien, vous coupez des gros morceaux s'il en reste, si c'est un peu sec, vous l'humidifiez, mais humide, pas trempé, juste à l'arrosoir un tout petit peu, en le remettant, tous les 10 cm, vous humidifiez, un arrosoir pour un composteur, ça suffit. D'accord. Vous le remplissez à moitié, comme vous en avez enlevé la moitié, et vous le laissez pendant 6 mois comme ça. Vous continuez à mettre vos autres déchets par-dessus, et au bout de 6 mois, ce que vous avez commencé est dessus. Tout ce que vous avez mis au fond, c'est énormément réduit. Hein. Ce qui faisait la moitié du composteur ne fait plus qu'un quart, un tiers. Vous récupérez le fond, et vous refaites la même chose. C'est-à-dire que vous laissez le dessus les 6 derniers mois et le fond les 6 mois d'avant, dernier semestre. Et c'est ça qui est bon à prendre au bout de 6 mois. Donc tous les 6 mois, vous pouvez récupérer du compost. Une fois à l'automne, une fois au printemps, une fois pour mettre sur votre sol avant l'hiver. Plutôt frais comme ça. Et au printemps, avant vos plantations, un compost bien mûr à mélanger. Ok, ça marche. Enchanté. Donc qu'est-ce que tu fais? Et eh bien, qu'est-ce que je fais? Je fabrique de magnifiques petites toilettes sèches en bois et je les propose après à la vente sur toute la France. Vous pouvez me contacter sur www.fabulistoilettes.com. Voilà. Je m'appelle Richard Divirage. François. En santé. Qu'est-ce que c'est cette association? C'est la grand frère et c'est la baby. C'est l'association pour aider Inde, pour intouchables, pour éducation, pour enfants, pour femmes tout seules. Pour plein d'activités. Après, cette association pour tout faire. Après, nous avons une autre association qui s'appelle Vanakam. Ce Vanakam est le faire bien-être. Après, maillage solidaire Inde pour récupérer l'argent pour acheter un terrain, faire clinique ayurvédique. Ici, nous sommes récupérés parce que faire cours de cuisine indienne pour plein emporter, plein d'activités. Nous sommes faire avec local producteur pour le local légion, nous sommes récupérés bio, tout bio. Merci beaucoup. Merci pour le plaisir. A bientôt. A bientôt. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je me suis occupé pas mal du quartier agriculture alimentation et donc de la coordination et de l'animation des animations cuisine. Donc. N'hésitez pas, oui, votre message passera. Mais non, mais partez pas, il faut qu'on fasse une annonce là, les gars. Tu connais pas. Alors, attention, mesdames et messieurs, information capitale capitale de
en 15 minutes à peine, cérémonie de fermeture et de clôture du festival. Place du Pouffet sur la grande scène. 15 minutes. On se ramène, on va tous là-bas, on fait la surf, on va lire tous vos mots que vous nous avez concoctés dans la journée. On va tout lire sur la grande scène. Il y aura un petit discours de fin pour vous remercier d'être venus. Et un concert. Et un concert. Des films de Félix, bien oui. sûr. Magnifique, vous entendrez la chanson d'Alternativa Nantes. Ouais. Alors, rendez-vous dans un quart d'heure. Place du Pouffet sur la grande scène. Voilà, merci à beaucoup. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Était le changement climatique et les dégradations dues à l'action de l'homme au cours des trois derniers siècles. Le dérèglement climatique s'aggrave et s'accélère, mettant à mal les populations les plus pauvres de la planète et à moyen terme les conditions de vie civilisées sur Terre. Fermez les guillemets. Nous sommes globalement confrontés à une crise climatique, écologique, économique et sociale qui remet en cause le mode de vie des pays dits développés. Nos sociétés se heurtent à la finitude du monde et devront inévitablement entrer dans une phase de transition vers un nouvel équilibre avec la planète. Resterons-nous sans rien faire? Nous sommes la dernière génération à pouvoir tout changer. L'enjeu est clair. Réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre pour ne pas franchir les seuils irréversibles de réchauffement et de déstabilisation du climat. Si le climat s'emballe, la crise climatique deviendra la mère de toutes les crises. Le 6 octobre 2013, à Bayonne, quelques jours après la publication du 5e rapport du GIEC sur le dérèglement climatique en cours, 12 000 personnes ont investi les rues et les places de tout le centre-ville pour une journée consacrée aux multiples alternatives concrètes qui existent déjà à la crise économique, sociale, écologique et climatique. Suite à cette journée mémorable, un appel à faire fleurir 10, 100, 1000 alternatives en France et en Europe et dans le monde a été lancé. Le 28 septembre 2014, après Agen et Gonesse, Nantes a répondu à l'appel en organisant un Alternativa en cœur de ville dans le quartier du Pouffet. Le long des rues de la transition énergétique, des échanges, de la paix, de l'économie sociale et solidaire et sur les places de la transition alimentaire, de la démocratie, des vélos et de l'écohabitat, 400 bénévoles, exposants et associations sont venus faire découvrir des alternatives que l'on peut mettre en œuvre dès aujourd'hui dans tous les domaines de la vie quotidienne pour vivre de façon durable, solidaire et joyeuse. Les bénévoles et intervenants d'Alternative à Nantes nous ont permis de réaliser une utopie concrète, nous projeter le temps de cette journée magnifique dans un futur souhaitable pour nos enfants et petits-enfants. La centaine de stands et la soixantaine d'animations, conférences et projections d'Alternative à Nantes nous l'ont démontré magnifiquement. Un autre modèle existe, ici et maintenant, et il ne tient qu'à nous de le faire émerger. Message anonyme. Moi, citoyen, je mange local et prépare des pots pour mon fils. C'est pas obligé de le dire à chaque fois. Je veux et je dois agir. Ouais. Moi, citoyen, je m'engage à faire tout ce que je peux pour changer le monde. Certes, je n'ai que 13 ans, mais comme le disent certains, nous sommes l'avenir à dans 20 ans. Si vous êtes contre le nucléaire, n'attendez plus, rejoignez Enercop. Un message de Axel, 13 ans. Je m'engage à éteindre la lumière quand je quitte ma pièce. Beau message. Bruno, 56 ans. Moi, citoyen, je n'ai plus la télé. Ouais, merde. Un message de Pascal. Moi, citoyen, je m'engage à concrétiser un Alternativa Rennes les 6 et 7 juin 2015. 15 et à bientôt, Pascal. Bravo. Bon, celui-là va être rythmé. Ne les laissons pas faire, faut pas les laisser faire. Décider, dessiner, leur monde bien carré. Va falloir se lever, se dresser, se cabrer, en somme se réveiller, ne les laissons pas faire. Petite annonce. Petite façon de parler. Jeune association, bien proportionnée de 300 adhérents, innovatrice, pleine de ressources, prête à vivre les aventures les plus folles, cherche petit local dodu et accueillant pour partager des moments gourmands dans le quartier Saint-Félix.
étudie d'autres propositions, ménage à 3 associations possibles. C'est un peu tendancieux. Si votre local se reconnu, venez nous rencontrer à l'accueil Pôle Alimentation signé LADA. Aujourd'hui, restaurons demain. Un message de Lolita. L'âge ne compte pas. Moi, citoyenne, je m'engage à boire de la bière pour la survie de tous les brasseurs locaux. Bravo ! Merci pour votre écoute et merci pour vos petits mots et votre participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hélas, les gouvernements et les puissants de ce monde n'étaient pas à Alternativa et ne suivent pas ce chemin. Les négociations internationales sur le climat pataugent et font fausse route. Les multinationales et les lobbies économiques font tout pour que ces alternatives ne soient pas appliquées, car elles mettent en cause les sources de profit et de pouvoir. Pire, ils imposent leurs fausses solutions, inefficaces et dangereuses. Nucléaire, agrocarburants, OGM, mécanismes de compensation, financiarisation de la nature, géo-ingénierie, etc. Celles-ci permettent de maintenir un modèle où les pays occidentaux et les populations les plus riches de la planète pillent la nature, s'accaparent les richesses et dévastent l'environnement au détriment des populations du Sud comme du Nord. L'implication citoyenne, la mobilisation des populations et la réappropriation de notre avenir sont indispensables pour faire contrepoids face à ces politiques aveugles. L'engagement de chacun et chacune d'entre nous, auquel appelait si fort Stéphane Hessel, est aujourd'hui une priorité pour relever le défi climatique. La stabilisation du climat sera le fruit de notre union, de notre intelligence collective, de notre solidarité et de notre soif de justice sociale, de notre capacité à enclencher la transition citoyenne dès maintenant. Fin 2015 aura lieu la COP21, la 21e conférence de l'ONU sur le changement climatique. 6 ans après la très médiatisée conférence de Copenhague, la COP21 devrait l'être tout autant, les chefs d'État s'étant publiquement engagés à y adopter un nouvel accord international de lutte contre le changement climatique pour l'après-2020. Pour que ces promesses ne restent pas lettre morte, comme ce fut le cas à Copenhague, c'est aux citoyennes, aux citoyens, aux populations de se mobiliser et d'agir pour que soient mises en place de vraies solutions. Le succès et le caractère fédérateur des Alternativa, ces villages des alternatives, rendus possibles par l'engagement de chacun, ici, à Nantes et ailleurs, nous montrent un des visages que prend cette mobilisation citoyenne européenne. Il s'agit autant d'interpeller les dirigeants sur les conséquences dramatiques de l'absence d'accord international ambitieux, efficace et réaliste sur le climat, que d'appeler les populations à mettre en route sans plus attendre la transition sociale, énergétique et écologique nécessaire pour éviter le dérèglement profond et irréversible des mécanismes du climat. Prenons de l'avance sur nos dirigeants, montrons-leur l'exemple à suivre pour engager la transition. L'appel à faire fleurir 10, 100 000 Alternativa, lancé à Bayonne en octobre 2013, a en effet rencontré un succès inespéré. Une quarantaine d'Alternativa sont en préparation en France, mais aussi en Europe et jusque dans les îles de la Réunion et de Tahiti. À Nantes, dès la clôture de cette édition 2014, nous nous lancerons dans l'aventure encore plus belle et plus folle d'Alternativa Nantes 2015. Réunissons le maximum d'acteurs du changement pour préparer dès à présent ces villages des alternatives qui vont éclore partout en France et en Europe afin d'être nombreux et audibles à la COP21. L'objectif sera d'unir tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, par les alternatives ou les combats dont ils sont porteurs, contribuent parfois sans le savoir à préserver le climat. Ce qu'a fait Alternativa à Bayonne, Agen, Gonesse et maintenant Nantes, nous pouvons le reproduire partout dans les formats les plus divers. Nous passons aussi symboliquement le relais à Lille et Bordeaux qui organiseront leur Alternativa en fin de semaine prochaine. Unis et déterminés, nous pouvons gagner cette bataille mondiale pour protéger le climat. Pour nous et pour les générations à venir, pour que l'on puisse dire que nous sommes engagés quand il était encore temps. Naviguer au pif, quel que soit notre genre ou notre espèce,
On est en train de cuire tout vif et ça chauffe un max pour nos fesses. Arrêtons de naviguer au pif, car la réponse est juste là. C'est le courant alternatif, ça s'appelle Alternativa. Alternativa Nantes souhaite remercier les 130 porteurs et porteuses d'alternatives du village, ainsi que les 60 conférenciers, artistes et animateurs. Un très 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 grand merci à vous d'avoir peuplé l'espace Bouffet, d'avoir rempli les rues d'alternatives aujourd'hui. Deuxième point, Alternativa Nantes remercie les 200 bénévoles qui ont travaillé très dur pour réaliser tout ce village. Merci les bénévoles, merci, 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 merci. Évidemment, je suis obligé d'en placer une pour les organisateurs. Merci à eux. Merci beaucoup. Merci les gars, merci les filles, merci à vous tous. Merci Hugo. Merci également à nos parrains et à nos marraines qui nous ont soutenus depuis le début. Je les remercie. On souhaite aussi remercier nos partenaires financiers et techniques sans qui rien n'aurait été possible et qui ont contribué à la réalisation de cette édition 2014. Je veux parler bien entendu des 112 contributeurs du crowdfunding en ligne. Je veux parler des Créalter, merci à eux. Je veux parler de l'ADA, l'atelier du RETS Emploi, Nantes en Transition, le Solilab, Disco Soup, le Collège des Transitions Sociétales, le Conseil Général 44, la Ville de Nantes, la NEF, Nantes Métropole, l'ARSEN, la Commune Libre du Bouffet, la Perle, le Chat Noir, la Librairie L'Autre Rive, Melpomène, la Mutuelle MCRN, XA et les Philogénix, merci à vous, et puis le Cirque. Enfin, je remercie nos partenaires médias qui ont couvert l'événement et qui ont relayé l'information, Bastamag, Citizen Nantes, Reporter, Silence, Terre Histoire. Enfin, Alternativa Nantes souhaite remercier toutes les personnes présentes aujourd'hui qui ont pu cheminer à travers les rues du Bouffet et découvrir les alternatives aujourd'hui présentes. Car le succès d'Alternativa, c'est d'abord vous tous, c'est d'abord d'être venus ici et d'avoir pu partager ces bons moments avec nous. Merci à vous. Il ne me reste plus qu'à souhaiter un très bon Alternativa à Socoa, Saint-Jean-de-Luz, tout près de Bayonne, à Alternativa Lille et à Alternativa Gironde Bordeaux. Alternativa Nantes souhaite un très bon Alternativa à Socoa et à Lille. Attention que chacun reste qu'un. Cool, oui nous voilà, c'est la voix d'Alternativa. Approchez, écrivez, non, n'hésitez pas. Oui, votre message passera. Approchez-vous doucement. Attention que chacun reste calme. Cool, oui nous voilà, c'est la voix d'Alternativa. Approchez, écrivez, non, n'hésitez pas. Oui, votre message passera. Attention, essayez de faire avec nous. Allez, c'est très simple. Qu'un cool, oui, nous voilà, c'est la voix d'Alternativa. Approchez, écrivez, non, n'hésitez pas. Oui, votre message passera. Approchez-vous tout doucement. Attention que chacun reste calme. Cool, oui nous voilà, c'est la voix d'Alternativa. Approchez, écrivez, non, n'hésitez pas. Oui, votre message passera. Approchez-vous tout doucement.